Bonjour Mathilde, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On va ouvrir la case 12 du calendrier de l'Avent et j'ai une mademoiselle qui est près de moi encore une fois. Coucou tout le monde, je viens de manger des croquettes. Fais coucou à tout le monde. Fais pas cette tête. C'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête? Tu vas aller dans le lit? Tu vas aller dans le lit? Oui, tu es dans le lit toi. Tu veux ta soeur? Oui, mon chat est juste là, vous ne voyez pas, mais il est dans le lit. Voilà, du coup, on va commencer tout de suite pour ouvrir les calendriers de l'Avent. On va ouvrir pour Jack. Tu veux rejoindre ta soeur et ton frère? Tu veux rejoindre ton frère? Allez. Oh. Ah, Zora, va rejoindre ton frère. Voilà, on va faire des mamans tous les deux. Du coup, je l'ouvre. Par contre, mais il est 8h. La case 12, elle, c'est ici. On va déjà commencer une nouvelle case demain. Petit Christ. On est à la moitié de... Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un grand papier. Il a l'air petit en plus. D'ailleurs, il ne veut pas se couper. Et c'est parti. Qui on va voir? Moi, j'ai vu une tête blanche. Maintenant... Oh, c'est Jack en Noël. Je l'ai déjà, celui-là. Il faudra que je vérifie. Mais je pense que je l'ai déjà. Pour moi, c'est celui de l'année passée. Je suis pas sûre, mais voilà. Voilà pour le premier ouverture. Pourquoi j'ai sorti ça? Ils sont où les 1? J'ai sorti les mauvaises boîtes. Où je mets toutes mes figurines. Et pas ceux de Pokémon. Qui sont juste là en dessous. C'est triste. Voilà, je les ai là. On va ouvrir un. Là maintenant. Je sais plus si c'est celui qui est éclaté ou si c'est celui qui est bien. J'ai pas reconnu. Je crois que c'est celui qui est éclaté. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Je vois qui c'est. J'ai pas beaucoup de lumière. C'est un escargot. Je sais plus son nom. Parce que c'est pas les Pokémon que je vois souvent, ça. Pourtant, j'ai rangé. Hier, on a. Samedi et dimanche, on a rangé les cartes de monsieur. Et encore plein à ranger. Voilà. Du coup, on va ouvrir tant qu'on y est le deuxième. La case 12, elle est ici. Là aussi, on commence la quatrième rangée. Là, c'est qui? Il est bleu. Bon, ben, si c'est pas. Il y avait cet Hortense, c'est. Oh. C'est Carapuce. Je sais pas, franchement, là, je sais pas vous dire. En plus, si je mets ma masque sur. Pour moi, ça doit être. Oh, je sais pas. Après Carapuce, non? J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas facile de vous le montrer. Je sais pas qui c'est. Franchement, là, je sais pas qui c'est. On va faire Harry Potter. J'étais en train de me dire, j'ai déjà ouvert, mais non. Non, c'est Jack pour jouer. Harry Potter. Il nous en reste deux à ouvrir. Voilà le sachet du 12. Il a l'air gros. Oh, 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 mais il est beau celui-là. Je fais des, des drôles de bruit. C'est le dragon qui tient la chaîne là autour de son cou. Qui tient quand Harry Potter veut monter, je sais plus, c'est la Gringotte, si je dis pas de bêtises. Il est beau. Ça c'est un nouveau, je m'en rappelle pas l'avoir eu l'année passée. Il est beau avec tous ses petits coups. Si tu passes par là, Mariette, ce que tu fais là dans mon calendrier de l'Avent. Comme on dit toujours que tu es un dragon. Mais il est beau. Je pense que c'est celui de Gringotte, si je dis pas le bon. Que j'hésite dans la forêt, mais c'est pas un dragon, je sais plus. J'hésite avec celui qui est dans la tour. Dans la tour, je crois. Et celui de la forêt. Mais il est trop beau, j'aime beaucoup. Et en plus, il y a la chaîne. Pour moi, c'est celui de Gringotte, parce qu'il y a la chaîne.
Et il n'y a que celui-là qui est attaché, je pense. Enfin, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Mais j'ai un doute. J'ai un doute, mais... Voilà, quoi. Après, il nous reste... On va faire... le Mickey. Et puis, on fera le... et brocher la casou, c'est celle-ci, c'est une petite bombe qui va nous exploser à la figure. Demain, ce sera quoi? Une petite... Non. Une tête de Mickey ou de Winnie. Je sais pas. Voilà le sachet. Hop, on est, je sais pas ce qui. Branche, Donald. Ouh, c'est Donald. Je vois que ça. Donald et Daisy en pâte orange, je pense. Oh, regarde, qu'il est beau. Trop beau. Il est trop beau. Il n'a pas de touche Noël, mais il est beau. J'en avais pas des petites. Encore mieux. J'aime beaucoup ce calendrier. Tant qu'on y est, on est le 12, on est à la moitié. Pour le moment, ce qui me déçoit pas du tout, c'est le calendrier de Mickey. J'espère qu'ils feront encore l'année prochaine. Jack, un peu. Et Harry Potter, pas trop. Je suis moitié fan, en fait. Parce qu'on a quand même des créatures. Et ça, je pense qu'on n'avait pas. Et ça, c'est chouette. On avait eu la petite... chouette. Pour moi, qui était celle qui se prend entre les murs, là, je sais pas son nom. Du coup, on l'avait pas eu non plus. Les Harry Potter, voilà, c'est toujours la même chose. Du coup, le voilà. Je vois pas la case 12. Je vais essayer de faire comme ça, essayer de voir avec vous. Si vous l'avez trouvé avant moi, ah ouais, non, vous voyez pas du coup comme ça. On va passer un petit peu. Si vous la voyez avant moi, elle est là. C'est celle qui est mal mise. Je sais pas comment on va se faire. Mais voilà. Elle a peut-être bougé. Pour moi, elle a bougé. La case 12. Oh, c'est comme ça. Je regarde pas sur les côtés parce que vous savez, il y a des trucs de marqué. C'est un tube. Brun. Un tube brun. Voilà. Et des reflets. Du coup, c'est quoi? Pour... soit un réparateur, utile visage, sans rincer. Cheveux secs. C'est un soin réparateur pour cheveux sans rincer. Pourquoi pas? Et c'est un 98% naturel. Bio. Et broché. Pourquoi pas? Ça peut tester. Sent bon comme tout chez eux sent bon, c'est fou, mais bon, ça c'est pas en français. Un baume botanique au sang, c'est 1000 usages pour tes cheveux réparés, 30 fois plus résistant. Je sais pas si vous allez voir ce qui est marqué, je sais pas, à chaque fois je vous le mets, mais est-ce que vous savez le lire? Ça, c'est une autre chose. Je ne sais même pas s'il est à l'endroit pour vous. Voilà. Mais c'est toujours utile. On peut toujours tester. Je testerai ça. Bon, pas aujourd'hui. Je vous remonte un petit peu. Pas aujourd'hui. Parce que je vais rien vous dire. Mais je... Ni demain. Parce que demain, je vais rien vous dire. Je vais me taire. Parce que moi, je vais me... Comment on dit ? Dévoiler ce que je veux pas. Je vais pas faire aujourd'hui parce que... Enfin, pas cette semaine. Voilà, je vais pas faire ça cette semaine parce que il va y avoir quelque chose. Je pense qu'elle m'a déjà rien avec ça. Vous savez ce qui va se passer. Voilà, bah, on a ouvert tous les calendriers. On va faire comme tout le monde. Tout le monde qui fait... Pour ceux qui n'ont pas envie de mettre un petit commentaire... Mettez juste un emoji dans les commentaires d'un petit canard. Il y a possibilité de trouver un canard parce que je trouve trop mignon ce canard.
un petit canard ou une bête. Allez, une bête qui peut ressembler à un dragon ou un dragon. Allez, je vous laisse mettre un dragon ou un canard, ou les deux, voilà, dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Et comme ça, je sais que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, de la 12e case du calendrier. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le canard, le dragon et la crème. Voilà, le reste, c'est mitigé. Mais c'est pas grave. Et sur ça, je vous laisse et je vous dis à demain pour la case 13. C'est pas vendredi 13, non, c'est mardi 13. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain.